Je propose qu'on aille découvrir la vraie nature de cette pomme colérique. Ouais, montrons à ces castors qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Emmenez-nous jusqu'à la pomme colérique. Ouais, on va retrouver votre chef. Ok, mais vous risquez de le regretter. Jamais il y avait vraiment une pomme colérique et qu'elle était en colère à cause du ver géant qu'elle avait à l'intérieur. S'il existe quoi que ce soit de plus effrayant qu'une pomme colérique, c'est bien un ver géant à l'intérieur d'une pomme colérique. C'est ça, on dirait un de ces idiots de castor. Tu te fais de drôles d'idées. Ah ouais? On verra bien. C'est vrai qu'elles ont l'air délicieuses. Non, vraiment. Mais n'y touchez pas. Ah, attendez-moi. Chut. Doucement. La pomme colérique est proche. Quelle énorme pomme! Mais elle m'a pas l'air si en colère! Je vais juste vous attendre ici. Mais que se passe-t-il ici, nom d'un fruit qui a la bougeotte? Je vous le demande! Non! Tessa, tu viens pas avec nous? Non! Je n'aime plus du tout les pommes. Elles ont des vers à l'intérieur. Burk, je ne veux pas trouver de vers dans ma pomme. Je veux même plus jamais voir une pomme. S'il y avait un vers dans cette pomme, elle aurait un trou par lequel il aurait rampé. Ici, il n'y a pas de trou. T'en es sûr? Il n'y a qu'une seule façon d'en être sûr. Fais attention, Sophie. Cette pomme n'est ni colérique ni affamée. Faut que vous voyez ça. T'inquiète pas, y a pas de ver. Je te le promets. Merci mon Dieu! J'étais en train de pousser cette pomme jusqu'à chez moi et ma queue s'est retrouvée coincée en dessous. Je suis ici depuis des jours. C'était vous qui faisiez tout ce bruit? Yep! Je pensais que personne ne m'entendrait jamais. Maintenant, si vous le permettez, retirez-moi cette pomme de la queue! Allez, venez tout le monde! 1, 2, 3, poussez! Ouais! Enfin libre! 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 Vous avez défié la pomme colérique et sauvé notre chef castor! La pomme colérique? Quelle pomme colérique? On a cru qu'elle t'avait englouti! Il n'y a jamais eu de pomme colérique! Heureusement que vous êtes passé! Vous n'avez pas eu peur! En fait, moi j'ai eu un peu peur. Mais mes amis m'ont montré que c'était juste mon imagination en train de me jouer des tours. Pour vous remercier,